Salut à toutes et à tous, c'est les petits anciens, on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Baron Dominique sur PlayStation 4. Petite dédicace pour Clément, qui m'a proposé un joueur. Bon, alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire 3 nouveaux matchs. C'est les 3 derniers championnats, Cologne, Nuremberg, Englebach. Et on s'arrêtera là, pour la prochaine fois. Bon, allez, ce premier match, on va aller niquer ces petits cons. Alors, mes joueurs... Bon, j'espère que on va y arriver, tranquille, ouais. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous avec la Bundesliga. Cologne Bayern de Munich, c'est parti. Bon. Ça fonctionnera pas. Allez, oui. Suarez. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que je suis un petit peu mal réveillé, donc si des fois je parle après ou avant, c'est parce que je suis un peu... J'ai trop dormi, voilà. Allez, faut se bouger. Oh, merci. Ah mais ces trucs avec ombre, j'aime pas. C'est chiant. Oh, c'est dur. Surtout le ballon dans la couleur qu'il est. Ok, allez. Suarez, allez. Oui, merci. Voilà. Un but est un but, contre son camp, c'est pareil, je m'en fous, c'est pareil, allez hop, 1-0. Allez. Non. Neuer, t'es mort.
T'es mort, pauvre con. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu trouves ma gueule, Neuer? Putain. Ah, désolé, mais là, il m'a mis en colère, là. Allez, vas-y. Ouais, mais ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi? À rien, voilà. Je te jure. Bon. Allez. Vas-y, ravi. Ah, mais lui, il est hors jeu. Voilà. D'accord. Ok. Le jeu me... Enfin, pardon, le poteau m'enfile. Ok, j'ai compris. Ok, c'est pas mon jour, c'est ça, aujourd'hui? Ouais, j'ai compris. T'inquiète. Oui, bien sûr. Petit con, l'arbitre, petit con, c'est tout ce que t'es. Allez, puissance, bouge. Quoi encore, connard? Quoi encore? Tiens, lui, mais je vais lui faire gober son sifflet là. Il va arrêter de me saouler. Bon, première mi-temps moite-moite, hein, on avait bien commencé, mais Neuer la nouille nous a fait une couille. En plus, ça rime. Hein, donc voilà. J'espère que cette deuxième période sera meilleure. Hein, n'est-ce pas, Neuer? Allez, petit. Ok, ouais, mais bon, il est jeune. Allez. Oh. Allez, les gars. Ouais, mais... Oh. You. Ah. Mais non, faut... Autrement. Allez, faut pas les laisser faire. Ah, mais avec ses ombres, c'est casse-couille pour repérer le ballon.
Putain. Soit vous faites les matchs la nuit, soit vous faites ça sur des stades complètement découverts. Allez, 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 allez. Bon, ah, ça va. Ouais, mais bon, voilà, ça va aller filer en corner et après on va se prendre une prune. Bon, alors le petit jeune, t'as rien branlé, hein. Je suis désolé, je t'ai laissé ta chance, hein, mais bon, faut se bouger, hein, faut se bouger le cul. Bon. Allez, les gars, on va essayer de pas se prendre de but, n'est-ce pas, Neuer, hein, sur ce corner. Allez, Neuer, hein. S'il te plaît, sois impérial, hein. Si le ballon t'arrive dessus. Ok, c'est bon. On peut y aller. L'arbitre, je vais te tuer. Tu es cuit, pauvre nul. Putain, mais sérieux. Tu pouvais nous laisser finir l'action. Je sais pas. Et après, tu serais revenu sur ta faute. Enfin, sur ton blessé. Il devrait y avoir un arbitre suprême. Si l'arbitre normal fait une couille, il ferait anéantissement d'action de jeu. Allez, pchit, devant sur l'arbitre, carton rouge. Je rigole. Allez. Ah, peut-être un. Ok. Ouais, ouais. Sinon, marquer un but, c'est en option. C'est en option. C'est une option sur le câble qu'il faut payer, je sais pas. Faut le dire. Hein. Ok. C'est n'importe quoi avec ces, putain, avec ces ombres, mais c'est chiant de jouer avec les ombres, putain, sérieux. Putain, je comprends les. Mais il y a des amis à moi sur Skype, des fois ça dérange, ça les embête de jouer quand il y a un peu d'ombre avec le soleil. Et là, c'est comme c'est un jeu next-gen, c'est encore mieux fait qu'avant. Et ben c'est encore pire qu'avant. Et on me passe devant, merci. Punaise, oh les intervenants en direct, on ne dit pas un mot s'il vous plaît. Surtout que c'est déjà assez compliqué comme ça avec un stade où on... Il y a des morceaux de stade où on... Même une chatte elle n'y retrouverait pas ses petits. Une expression, hein, vous inquiétez pas. Putain, si on perd là-dessus, t'es mort, t'es... Non, mais non, mais non, mais non, mais non, 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 je m'en fous. Non, c'est... Ils n'ont pas le droit de marquer, je suis désolé. Ils n'avaient qu'à faire un stade, faire leur stade autrement. Bon, on va avancer avec lui, parce que, bon, comme il court vite... Pardon, excusez-moi, pardon... Ouais. Bah quand je vous dis qu'on a pas de bol sur ce foutu match, hein. Ouais, mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Heureusement la télécommande elle a glissé sur mes jambes. C'est genre ça a glissé sur mes jambes, ça a tapé, enfin ça a glissé sur mes chaussons et ça a tapé sur la chaise. Donc ça va, j'ai eu de la chance dans le malheur, j'ai cru qu'elle allait vraiment tomber, mais non, elle a juste glissé avec de la chance. Mais pour en revenir au jeu, on n'a pas eu de bol. Regardez-moi ça quoi. On mérite 450 fois de mettre ce putain de deuxième but quoi. J'en ai marre de ces goals ultra bullshit quoi. Faut arrêter. En légende, c'est impossible quand.
Damn, des fois tu peux mettre 400 buts dans un match, mais des fois, mais c'est le pire des goals de l'humanité. Mais t'arriverais même pas, avec même avec Lionel Messi et Zlatan, t'arriverais pas à mettre un but. Ah putain, c'est goal, putain, faudrait qu'un jour ils arrivent à comprendre qu'il faut... il faut mettre des goals normaux dans toutes les difficultés, pas seulement un goal normal en telle difficulté, tout le temps. C'est-à-dire que le goal, il sera capable de se prendre 4 buts, que ce soit en amateur ou en légende. Et pas devenir ultra bullshit, juste pour le prétexte que c'est le mode légende, je suis désolé. Bon, il est où ce Bakali là? Ah. Voilà, il a marqué 5 buts. T'as marqué 5 buts et tu veux 80 000. T'es normal, toi. Tout va bien, lui. Il est normal. Bon, une bonne fois pour toutes. On va remettre les joueurs normaux de base. Hein. Merci. D'accord. T'as arrêté de me casser les burnes. Toi, tu... D'accord. Non, je tiens... Voilà. Je suis envolé, c'est Kroos. Hein. Voilà. Il est capable de me le foutre. Ouais, mais il est pas très rapide. Manuellement, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est Bugland. Oh là là là. Bon. Ouais. Ok. Motivation. Enfin bon, je sais pas si ça fonctionne. Hein, parce que bon, mes joueurs sont carrément en vacances. Alors. Poubelle. Allez. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai dit? Arrêtez de foutre vos matchs à 15h30. Putain, on joue pas les matchs à 15h30. On n'est pas en France, les gars. S'il vous plaît. Pitié, quoi. Pitié, s'il vous plaît. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Shaqiri là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le remettre dans l'équipe là, le gars, parce que bon, les couilles qu'on a, quoi. Alors, viens, faut remettre toi. Dégage. Voilà. Bon. Est-ce que nous allons gagner? Parce que je crois pas, hein, parce que déjà avec la chance qu'on a eu sur le premier match, hein, on plante qu'un but et on a eu 15 000 actions pour... Ouais. Bon. Sans commentaire. Sans commentaire. Bon. Nuremberg, Bayern de Munich. C'est parti. Allez. Bah, cette fois-ci, la luminosité a l'air d'être pas mal. Ça va. Allez. Alors. Ok. Allez. Oh. Bon. Allez. Bien joué l'arbitre. Moi je pensais pas que c'était hors jeu, mais apparemment c'est bon. Ah.
Je me demande si ce joueur a un cerveau. On va dire que à moitié oui. Suarez avec Mandou par. Non. Les joueurs en défense ont des soucis pour accélérer, quoi. Mais non, 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 je suis pas... Mais c'est dégueulasse, ça. Mais c'est dégueu... Mais c'est dégoûtant. Putain, mais... C'est génial. C'est génial. Ah, c'est super. Ah là, je vais être sans pitié avec vous. Je vais être sans pitié. Passe devant les cages, tout ce que tu veux. Là, ça va être sans pitié, là. Nos limites. Ah ok, vous voulez jouer comme ça avec des buts de chance et de grosse merde? Pas de problème, allez. Il va y avoir aucune pitié, va. Bande de connards, là. Ça va être sans pitié. Âme sensible, s'abstenir. Ça va être une véritable boucherie, là. Vous êtes pourris là les gars pour l'instant. Je sais pas ce que vous avez, mais vous êtes pourris pour l'instant les gars. Je comprends pas. Bon, allez, c'est pas grave. Enfin, si, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Ok. Mes joueurs n'ont pas envie de gagner, ils ont envie de perdre. Ouais. Mais Neuer, tu me fous les jetons. C'est ignoble là. Tu nous fais des performances dignes d'un goal de 50 de général. Allez les gars, allez. J'arrive plus à planter. J'y arrive plus. Je suis désolé si je dis pas grand chose, mais je suis tellement énervé que je préfère rien dire parce que sinon je vais mettre à insulter à tout. Alors je préfère ne rien dire. Thank you.
Mi-temps de merde, mi-temps de merde. Bref. Je suis désolé si je laisse des gros blancs, mais je suis tellement concentré que... énervé en même temps. J'arrive à rien aujourd'hui. Allez, je peux le faire, putain. Allez, c'est parti. J'ai dit. Voilà. Connard. 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 Entre arbitre. Enfin, arbitre, pardon. Et surtout adversaire de merde là qui fout des buts de trop de chance dégueulasse au début du match. Maintenant, je suis désolé. C'est comme ça maintenant. On va vous péter la tronche tellement que je suis énervé là. Là, ça m'a remonté un peu là. Ça m'a remonté un peu le moral là. Allez. Bah, je vous dirais, enfin, dites-moi dans les commentaires si vous préférez des fois que, au lieu de dire des insultes à tout va, si vous préférez que je laisse un, enfin, que je dise rien, quoi, que je laisse un blanc, au lieu d'insulter, je pense que vous préférez ça, hein, que vous... Oui. Bon, ce n'est même pas une question à poser, je pense que vous préférez ça que d'entendre des trucs toutes les deux secondes, mais bon, faut me comprendre, je suis tellement énervé, là, surtout contre moi et mes joueurs, l'arbitre aussi, hein, quand même. Faut pas l'oublier, hein. Bah non, attends, faut pas oublier monsieur l'arbitre. Et la défense. Je suis désolé. Non, pitié, c'est une justice, merci. J'ai dit c'est justice, merci. Bordel. Allez. Ah là, bordel, enfin, merci Manzou. Merci. Eh ben, putain. Ça y est, ça revient. Mon passage à vide s'en va. Eh ben, il était temps, hein, parce que je commençais à péter un boulon. Ouh, oh là, eh ben. Bon, maintenant, faut pas se prendre de but. Mais Neuer, je suis d'accord avec Clément, faut que je le change. Il a 29 ans et puis là, j'ai l'impression qu'il va commencer à régresser parce qu'il nous fait des trucs. C'est digne d'un gardien anglais de seconde division, je suis désolé. Pourtant, Neuer, c'est un grand joueur. Et là, il nous fait que de la merde depuis quelques temps. Hein. C'est bourde. Je sais pas ce qu'il a, ce qui lui arrive, mais... Moi, je suis désolé, je garde pas des joueurs comme ça qui font que de la merde parce que le goal c'est pas moi qui le contrôle, donc là c'est de sa faute à lui.
Là, c'est sûr à 100%. Hey, Thiago. Hey, Thiago. Thiago. Placé. T'es nul. T'es nul. T'es nul, Thiago, là. Le joueur n'est pas nul, et là, t'as fait une action de nul. T'es pas foutu de marquer un but comme ça. Tu te fous de ma gueule, Thiago. Normal, pourtant, t'es un bon joueur. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pareil, aujourd'hui, c'est pas ton jour à toi non plus, hein, j'ai l'impression. Ça doit pas être le jour à Thiago non plus. Ouais. Bah là, il y a quelques secondes, ils viennent nous faire un arrêt. Pour une fois, enfin. Hein, au lieu de laisser passer les balles. Ah, j'aurais dû faire autre chose. Allez. Attention. Ils reprennent confiance, les gars. Vas-y, tu as... Là. Puis c'est défense, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. J'espère qu'ils feront une autre défense sur FIFA 15 parce que là c'est incontrôlable. Merci. Oh, enfin une victoire, oh, ça fait du bien. Là je sais pas, mais il faut qu'ils fassent une mise à jour dans leur système de défense parce que les joueurs c'est des véritables camions, des camions et des abrutis, camions. Ils sont incontrôlables. Alors bon, des fois t'arrives un peu à les contrôler, mais des fois c'est impossible. T'as l'impression de contrôler des briques. C'est pas jouable, c'est un peu bizarre. Ouais. Ok. Sinon que avec tout cet argent, parce que de toute façon on va me le prendre après, donc voilà. Voilà, au moins on a toute une équipe. Voilà. Ça, au moins, voilà, au moins on est tranquille. Tiens, je vais voir dans les jeunes, s'il n'y a pas un... Ah bah, ils sont tous là. Dispo. Ah, ils ont tous fini la saison. D'accord, ok. Ok. Bon, on les renverra pour en saison 3. Allez. Le troisième et dernier match. Maillot hockey. Face au Borussia Mönchengladbach. Go. 15h30 une nouvelle fois, et là cette fois-ci c'est chez nous avec de l'ombre apparemment. Je comprends pas, mais sur les anciennes versions, ce mini-jeu était un peu plus facile. Là bizarrement c'est... J'y arrive plus. Bon, laisse tomber. Bayern, Dominique, Borussia Mönchengladbach. C'est parti. Oh putain, il y a de l'ombre. Oh, ça va. Ah, le ballon, il est blanc. Bon, ça va. Là, ça aide mieux. C'est bon. Le ballon, il est blanc. Oh. Bon, c'est pas grave. Allez. Faut se concentrer parce que c'est pas des gigolos. Ouais. C'est vrai que je pense peut-être à essayer de recruter soit Alexandro en DG. Y a Jordi Alba aussi qui pourrait être pas mal. Parce que là, bon, des chiots, ça va 5 minutes, mais là, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Bon, surtout, au moins, ça ferait genre des chiots remplaçants et un autre DG à la place. Parce que Contento, c'est un peu léger. Donc, faut me dire si Alexandro ça va, ou Jordi Alba, entre l'un ou l'autre.
Allez, allez. Non, ce sera pas ce coup-ci qu'il se fera déborder. Allez. Oh, allez, vas-y. Vas-y, Suarez. Allez, Louis. Allez, allez. Faut arracher. Faut arracher le gazon. Allez, vas-y. Ah, dommage. C'est pas grave. Allez, allez, allez. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut repartir dans le jeu. Ok. Ok, enfin bon, c'est pas grave, allez. On va dire que c'est pas grave, allez. Bah. Ouais. Enfin bon. Attention. Attention les gars sur le côté. Neuer, tu me saoules. Neuer, tu me saoules. Ma défense, c'est n'importe quoi. Dieu. Bon, allez. Faut se reconcentrer, hein. Brave. Allez, allez, faut se bouger un peu. Allez. Ouais, bon. Bon, les grenards, c'est plus notre spécialité apparemment, mais bon, allez. On y croit. J'arrive plus sur les corners, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Mais non, mais non, mais... J'en ai marre quand ils arrêtent le jeu comme ça. Bouh, laissez-le à terre jusqu'à ce qu'on ait fini l'action, pas avant. Putain, c'est pas vrai, ça, c'est... Mais ils sont passés où mes changements? J'ai pas fait ça une nouvelle fois. Dans le bon truc. Et voilà, je me fais niquer la gueule. Putain. Oh, mais c'est pas vrai. Faut vraiment que je fasse un peu plus gaffe la prochaine fois. Bon, allez, tant pis. Non? Non? Putain, allez, y en a marre de se prendre des buts et d'avoir de mettre toutes les peines du monde pour marquer ne serait-ce qu'un ou deux buts, quoi, c'est nimp.
Il faut vraiment que je fasse plus gaffe à mes remplacements la prochaine fois. Walker, tu recommences une fois ça et tu seras un homme mort. Allez, les gars, faut se bouger. Par devant, putain, Royce, allez. Bah allez, c'est Suarez. Suarez, il est obligé de faire le boulot de Royce. Royce, bouge ton cul ou tu vires. Il y en a marre là des gens qui branlent rien pendant un match. C'est pas parce qu'on a déjà gagné championnat qu'il faut arrêter de jouer, d'accord? Allez. Allez, vas-y, 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 continue, continue, continue. Ouais, bravo. Oui. Allez. Voilà. Écoutez bien. Fermez votre gueule, le Borussia Mönchengladbach. Voilà. Ouh. Ah, c'est... Ça fait du bien. Ah, désolé si je rage, si vous aimez pas trop quand je rage un petit peu, mais bon, c'est chiant, quoi, ça. Et encore, j'essaie de me contenir des fois, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Voilà, c'est rien que là, j'ai envie de les insulter, mais tous les noms d'oiseaux. Il y a des trous défensifs tellement impressionnants que même un club de 14e division estonienne pourrait marquer un but. Je comprends rien, ce système de défense. J'y comprends que dalle, je suis désolé, là, mais... Ça fait des mois qu'on joue à ce jeu, version confondue. Perso, j'ai toujours rien compris à cette défense. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans cette défense? Avant, c'était un peu plus contrôlable. Maintenant, c'est devenu pas du tout. Allez, voilà. Là, il faut pas me dire que j'ai pas de chance. Là, il faut pas me dire que j'ai de la chance. Non, là je suis désolé, il faut pardon, je m'exprime mal, là il faut pas me dire que j'ai pas de chance. Je m'exprime mal encore une fois. Il faut pas me dire que j'ai de la chance là. Parce que double poteau, c'est pas avoir de la chance ça. Je suis désolé. S'il y a un problème. Bon. Bah les deux derniers changements, je sais pas quoi faire, mon tête est marrant. Götze, bah Thiago, on peut pas faire autrement, et puis bah pff, on est obligé de faire entrer Draxler à gauche. Hein. Allez, remets... Allez. Mais non. C'était trop bas, c'est pas grave, allez. Non, mais non, aujourd'hui, je vais frapper. Et les corners, j'y arrive plus. Je sais pas ce qui s'est passé là. Il y a du mieux. C'est pas cadré, mais il y a du mieux. Ah, il y a du mieux.
Ça revient. Bah, je crois qu'on va les filer tout doucement vers un match nul. C'est pas encore terminé, mais bon, avec le bol qu'on a. Allez, l'arbitre qui nous enfile. Forcément, si l'arbitre ne nous enfile pas, c'est qu'il y a un problème. Ah là là, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. On va perdre. Ah, ça va. J'ai pas de défense, mais dites-moi ce qui se passe dans ma défense. J'arrive pas à la soit j'arrive pas à la contrôler, soit il y a quelque chose, il y a un truc qui fonctionne pas, il y a un truc qui bloque. Youpi, on est champion, mais bon, ça c'est secondaire parce que j'ai un problème de défense. Pourtant, j'étais putain de défenseur. Mais à chaque passe, c'est le trou. C'est la faille de San Andreas et ils passent comme ils veulent. N'importe qui. Alors des fois ils jouent, mais des fois j'ai personne. Je comprends pas, j'ai 4 plots, 4 poteaux. Je comprends pas. Et encore une fois. Regardez, 10 tirs, 6 cadrés, normalement on aurait dû gagner. Regardez, 4 tirs et un cadré. Mais c'est n'importe quoi là aussi. Ouais, mais je vous le dis, là j'ai envie de foutre deux cartouches dans un fusil, mais me la foutre dans la tronche, me les foutre dans la tronche. Il y a un truc qui tourne pas rond. Hein. Et là encore, c'était le championnat, mais regardez ce qui arrive. On va être ridicule face à eux là. Je vais les motiver parce qu'on va être ridicule sinon. On va être mais complètement ridicule. Et en plus, on perd Mandzukic. Ça va être génial, ça va être super. Bon allez, on va aller se calmer un peu. Donc prochain épisode, le dernier de cette saison 2, donc le début de la saison alternative, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Donc demain vous aurez le match de la finale de la Coupe d'Allemagne et samedi vous aurez la fin de la saison avec la finale de la Ligue des Champions. Vous aurez voilà tout ça et puis voilà. Voilà. Bon allez, maintenant on va aller montrer le rapport d'équipe. Maintenant je vais le faire à chaque vidéo parce que bon voilà, vous le demandez et puis ça a l'air de plaire à pas mal de monde. Donc pourtant Neuer ça bouge pas, mais j'ai l'impression qu'il régresse. Walker, bon, ça va. Plus de pour Batchtuber. Tous les points techniques et ouais. David Luiz, voilà. Plus 2 pour Müller. Ah bon. Plus 2 pour Mario Götze. Plus 2 pour Suarez. Plus 2 pour Draxler. Plus 2 pour Thiago, 83. 59 plus 1. 63 avec un plus 5. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Plus 1. Plus 5. Plus 5. Plus 4. Plus 3 pour Dybala. Si je joue pas, mais bon. Voilà. Plus 3 pour Bakali. Plus 1 pour Zuma, pas mal. Plus 3 pour Memphis, hein, voilà. Plus 1 pour Dyer. 2 pour Contento. 1 Shaqiri. Plus 2 pour Kroos. Plus 1 pour Abate. Plus 1 pour Kirchkov, tiens. Ouais. Ok. Bon. Bon bah j'espère que ça vous aura plu cette vidéo quand même, hein. Désolé pour les petits moments de rage, mais il y a des moments où j'allais vraiment ultra rager, mais vous aimez plus trop ça, donc j'ai préféré ne rien dire. Bon, j'espère que ça vous a quand même plu, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, le petit commentaire, le petit pouce bleu me font très plaisir, ça me remontera aussi un petit peu le moral, et puis bah suivez-moi sur Twitter bien sûr, et on se retrouve pour de prochaines aventures, ciao tout le monde.